Salut à tous, c'est Demanche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Frostpunk, on continue notre aventure. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires des conseils sur le jeu, les recherches, les trucs qu'il faut que j'essaie d'installer. Après, c'est pas très. Moi, honnêtement, je trouve que c'est pas évident quoi, parce que à un moment donné, j'ai pu avoir de ressources. Donc je me demande s'il serait pas intéressant. Par contre, je vais le remettre en lecture. Lecture. Lecture, j'ai dit. Lecture. Je me demande s'il faudrait pas faire une deuxième équipe de recherche pour pouvoir justement. Je sais pas. C'est pas évident. Après, la route, elle est. C'est celle-là la route. Ouais, c'est celle-là, il y a des lampadaires. Ouais, que je construise vers par là. C'est compliqué. Donc, j'espère que le foyer là, il aura bien baissé pour que je puisse. Parce que c'est compliqué quand même, hein. Là, elle est plus vite un peu. Encore plus vite. Ok. Ok. Finish your labors, people. The work day is up. Dortoir. On va aller à une recherche. J'avais dit ceci. Par contre, effectivement, le fer, ça va être dur. Qu'est-ce qui se passe encore? Encore. La nourriture, ça a l'air de bien suivre. Il y en a deux qui ont faim, mais peuvent se nourrir. Bon, les malades, c'est un petit peu compliqué. Il y en a trois qui ont faim. On est d'accord que c'est pas faim, mais affamé. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ok, ça les amuse, ils font je sais pas. Bizarre. Bon, on va essayer de faire des vidéos de 25 minutes. Alors, je sais que j'ai la scierie à construire. Ils partent, c'est quoi? Ils quittent l'abri? Ils font quoi là? C'est ça le truc, c'est quoi? Ils se promènent ou ils se cassent? Ils ont juste décidé d'aller jusque là, comme des cons.
capté. Ah oui, c'est il faut que je pèse un maximum de trucs. Pas tortiller du cul, il faut vraiment que je pèse les trucs. L'espoir ça va, le mécontentement ça va encore, c'est en dessous de 50% donc ça peut aller. L'espoir je pense que c'est assez haut. Alors je vais pas réactiver sur la surconsommation là, je sais pas quoi. Parce que on va avoir une vague de froid. Donc il m'est d'avis de calmer un peu le jeu tout de suite et puis quand il va avoir la vague de froid on va lancer. Et c'est chaud quoi. C'est chaud. Ou pas beaucoup justement. Je sais pas. Bon en plus c'est les enfants qui aident, donc à mon avis, ça devrait aller, hein. J'aurais dû voter la loi pour la prothèse là, je sais pas quoi là. Bah, ouais, je vais accélérer un peu là. Ah, pénurie, allons-y, je me demande bien ce que nous allons accomplir aujourd'hui. Ah, je sais pas si c'est vraiment ça qui veut dire. Voilà, la température a chuté. Ah ouais, voilà, on repasse à moins 40. La température commence à rendre la vie très difficile. Le problème, c'est est-ce que je remets tout de suite... Non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Ah, j'ai encore du mal à projeter. Est-ce que je le monte tout de suite? Sur multiplicateur. À fond, vas-y. Je sais pas ce que c'est zéro par jour, j'ai pas très bien compris ce truc là. Ah d'accord, c'est les bâtiments indépendants de ça. Ok, ça marche. Il fait trop froid pour ce bâtiment là et ce bâtiment là c'est poste médical. Ok, autant pour moi. C'est chaud. Mais ouais, j'ai le dortoir. Attends. Est-ce que je peux... Ah mais ça va les laisser en vie.
automate. Alors, un automate qui fonctionne. Nous sommes arrêtés au bord du large pont ravin situé à la grandeur du monde en métal permettant de vous traverser. Un large automate s'occupe de déblayer la neige sur la voie principale. Nous pourrions l'envoyer vers notre ville où le désassembleur pour récupérer la ressource. Site station météo et grand convoi. Démanteler. Ah non. Nous avons reprogrammé l'automate et l'avons envoyé vers notre ville alors qu'il disparaît à l'horizon marchant vers, avec constance vers notre ville. Une première couche de neige vient recouvrir le pont. Ah ouais, peut-être. Station météo grand convoi. 13h. 16h. Il a l'air d'avoir un truc. Alors, faire le moins mal. Capitaine, un docteur souhaite parler avec vous des traitements radicaux. Des chirurgiens, cet ingénieur ne pourra pas travailler, l'espoir remontera légèrement. Ah merde. À la recherche d'autre ville, pont déserté. La découverte du pont menant à divers prouve que nous sommes sur la bonne voie, mais cette découverte apporte aussi son lot de questions. Pourquoi le pont était-il désert? Pourquoi l'automate n'était-il pas sous la surveillance d'un ingénieur? Il a sûrement des explications logiques à tout cela, mais les habitants sont inquiets pour nous. Peu d'espoir et tout de suite il en fait perdre, c'est relou. Alors ici, espace de stockage plein, on est d'accord. Bon, allez hop, une voie. Tac. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors j'hésite avec l'arène de combat. Sympa ça. Ah, c'est bon. Aucun résident pour le moment. J'ai hâte de voir un bon combat, ça sera comme un bon vieux. Thank you.
plein micro. Construite, ok, il a l'espoir augmente, ok, ça c'est cool. Mécontent, non, il descend. Attends, mais ah, bâtard. Ok, maintenant, ajouter une recherche et s'est réchauffé. Parce que la nourriture, ça a l'air d'être un petit peu chaud. On va faire ça. Tout ça, comment on fait? Ça y est. Besoin urgent de soins. La population manifeste dans la rue. Le nombre de malades non traités ne cesse d'augmenter. Et pourtant, vous semblez ignorer le problème. Les habitants vous demandent d'agir. Vous avez 2 jours pour le construire. Je vais immédiatement ouvrir un poste médical. Je fais la promesse que les malades seront soignés. Vous avez 3 jours pour qu'un tiers des malades soient admis en traitement. Et ben voilà, je vais construire un poste médical et si vous m'emmerdez là. Elles sont venues aussi. Encore un poste médical. Enfin, un poste médical. J'y peux rien. Là. Et l'autre il est déjà froid, forcément ça va pas marcher. Bah ouais, machin il est encore froid, qu'est-ce que il me pète les glaouis. Alors hop, on est obligé d'arrêter ça avant que ça pète. Ensuite autre chose, je vais construire un machin. Voilà la série. Voilà. J'y suis pour rien, les gars. Médical. Comment je fais pour EP ça? Interrompre l'opération, démanteler. Comment tu EP? Ah, 110. Ah, d'accord, c'est automatique, 110%. Ok, ça marche. J'augmente la portée du bordel. Hein. Je sais pas. Chaud quand même.
Effet de zone. Affiché plus. Il existe deux types de bâtiments avec effet de zone. Certains bâtiments comme la série sont dotés d'une zone délimitant où les ressources sont collectables. Et d'autres dans lesquels ils affectent les personnes. L'effet de zone indique la zone dans laquelle les ressources peuvent être collectées. C'est pas wow quoi. Ici, ça tombe bien, il en faut 10. Ça fait quoi déjà ici? Oh là là, 10%. Pourquoi on a besoin de s'achever? Recherche arrêtée. Ah merde, sur un temps libre. C'est chaud, les gars. On va pas dire qu'il me pète un peu les couilles, mais un peu quand même, quoi. Noyau de vapeur et charbon. Nous avons trouvé les notes d'un scientifique qui prédisent que la température va diminuer encore plus. Les dernières observations datent d'il y a plusieurs mois, ce qui est assez préoccupant. Je explique une miniature ici. Pas même une miette de pain. Il semble évident qu'ils ont quitté. Dieu pour de bon. Nous devons voir. Le charbon, ça c'est grand courant, non? D'hiver c'est quoi? C'est chez nous d'hiver? C'est bizarre. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe encore? Moins d'amputation, le capitaine, c'est la méthode peu orthodoxe et certains de mes collègues sont choqués par les... le nombre d'amputations, des traitements à eux, des traitements à tuer, des sans amputations, des traitements à patrouille. Ok, je sais pas, j'ai pas tout compris. Encore les derniers rapports de la session de l'année font parler les gens. Ils sont terrifiés qu'un bâtiment aussi important soit laissé à l'abandon. Certains se demandent si évacuer l'une était une bonne idée. D'autres se demandent ouvertement si je savais où nous n'aurions jamais dû venir ici. Au moins, à l'ombre, nous avions de vraies maisons, pas des tentes et des cabanes. Quelle belle matinée, je sens que rien ne m'arrêtera aujourd'hui. Que Dieu bénisse le capitaine, je le suivrai partout. Ah bah c'est gentil ça. C'est gentil. Il faut juste qu'on arrive au truc que la température remonte là, et puis ça peut le faire. Par contre, il va falloir qu'il se bouche le derche.
À court de débris d'acier. D'accord. Ben non, en fait, tu vas attendre 30 secondes comme ça. Putain, je sais pas comment faire. C'est la reine de combat. Personne ne s'en bat. Ok. C'est toujours le stockage est plein ou. Espèce de stockage plein, je comprends pas. Ça me met genre à la moitié, mais. Pile de charbon. Pile de charbon. Le 11e jour, un de nos habitants sont morts, a laissé par manque de soins. Et Mahalad. La question est. Nouvelle recherche. Ça va le faire. Normalement, ça devrait le faire. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, attends, je peux faire les serres chauffer. Tac. Nourriture, serre chauffée. C'est gros ce bâtiment. On va le mettre là. Ça me va. Qu'est-ce qu'il y a? Ah merde, là. Noyau de vapeur. Nous venons d'utiliser notre premier noyau de vapeur. Les vapeurs sont des composants nécessaires des technologies avancées. Nous ne pouvons pas en produire dans la ville. Espérons que nos erreurs pourront en trouver durant leur exposition. Je vous avez compris. Des fois, il est vraiment pour un con, j'ai l'impression. Deux décès. Ah, oh, un décès. Refaire une loi. Alors, funérailles. On va faire ça. Hear me, hear me. New law in the city.
Ok. Les étudiants peuvent remplacer des équipes entières dans la plupart des lieux de travail. Ils sont fabriqués à l'usine. Ils opèrent 24 heures par jour. Leur efficacité initiale est de 60%, mais il est possible de chercher des améliorations qui l'augmentent. Un automate se recharge deux fois par jour au générateur ou un foyer de vapeur sans que cela n'affecte ses opérations. Coût d'un automate: 100 d'acier, 50 de charbon, 100 bois et un foyer de vapeur. Ok, c'est tout? Bah, c'est tout, c'est déjà bien. Ok, usine automate. D'accord, des automates et des usines. Je sais pas comprendre, en fait, c'est quoi alors? Il fait quoi? Il travaille dans une usine. Oui. J'entends dire qu'un seul automate peut remplacer une équipe entière. Cette chose est massive. C'est quoi cette chose? Un automate, un décès encore. Est-ce que les automates sont dangereux? Je vous emmerde, arrêtez de me faire chier. C'est quoi? Ah, c'est l'automate. Notre premier automate est opérationnel. Il devrait grandement aider notre économie. Les automates peuvent remplacer des équipes entières pour les travaux manuels. Ils fonctionnent en permanence, hormis durant les courtes périodes de ravitaillement au générateur. Nous, une amélioration, machin. Du coup, il fait quoi? Non, j'ai pas dit que je voulais démanteler l'automate, toi, t'es fou. Il fait quoi? Alors, pas de lieu de travail. Efficacité. Quoi, je peux lui dire, voilà. Ah, d'accord. Lui dire genre avec, et du coup je peux retirer tous les ouvriers. Ouais, du coup tous les ouvriers dégagent. Okay. Ah non, porté, d'accord. Ok, d'accord. La portée est nulle. Merci.
puissance du générateur. On a peut-être le temps pour l'instant pour ça. Je serais bien tenté par une seconde équipe d'éclaireurs. Parce que comme ça, plus d'éclaireurs, c'est mieux. Autant, on est déjà à 37. Bah, sur ce, les démons, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Je vais sûrement encore en faire une dernière, histoire de prendre un maximum d'avance. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus d'épisodes. Hein. Cependant, si c'est plus d'épisodes de ça, ça sera moins d'épisodes de Shelter, de l'Otro et tout ça. Donc là, je pense que déjà, je vais avoir sûrement mis pas mal d'épisodes de Frostpunk et non pas des autres jeux, de l'Otro ni de Shelter. Donc on verra bien. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas le like, le commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner des infos, des astuces. Ça serait pas mal. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao. Bye bye.